le président de la République, son souci majeur aujourd'hui, c'est la paix, la quiétude, le renforcement de la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ça, c'est ses préoccupations. Alors, je prie Dieu qu'il nous donne un Kountigui qui va être dans, qui va satisfaire les attentes du président de la République dans le cadre de la, du renforcement de la cohésion, dans le cadre du renforcement du tissu social. Un Kountigui qui va prôner la paix que Dieu nous donne aussi. Alors, je remercie tous ceux qui sont venus alors, pour témoigner leur sympathie. Et les membres du gouvernement, le CNRD est représenté, les membres du gouvernement en nombre, envoyés par le Premier ministre chef du gouvernement, et il m'a choisi comme chef de mission. En tant que ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation, je suis satisfait de l'engouement, de la présence de tous ces citoyens qui sont venus témoigner leurs sentiments, leur fidélité au Kountigui de la Basse-Côte. Allahu Akbar! La ilaha illallah! Je commencerai par présenter mes condoléances à tout le peuple de Guinée. Parce que comme vous le voyez, ce décès n'est pas seulement un décès pour notre famille. C'est un décès qui est propre à toute la Guinée. S'il faut, même la famille est très petite dans cette affaire. Donc pour cela, nous commencions par remercier d'abord tout sincèrement le président de la République, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour tout son soutien depuis qu'il est venu au pouvoir. Pas pour cette année seulement. Je suis le mieux placé pour le savoir. Parce que je vais partout avec le papa pour ses voyages médicaux. Donc je sais tout ce que le gouvernement a fait et est en train de faire jusque maintenant. Donc je les remercie très infiniment. Je profite de cette même occasion pour remercier le président du CNT qui a fait aussi de gros efforts dans ce cadre-là, qui est son fils. Qui est son fils. Donc en plus de cela, je remercierai tout le peuple de Guinée. Quelle que soit aujourd'hui la richesse que notre famille en a, nous ne pouvons pas mobiliser tout ce monde. Nous, aujourd'hui, nos larmes ont séché. Nos larmes ont séché. On n'a plus à pleurer ici aujourd'hui. Vu tout cela, on est vraiment satisfait. Mais cela est dû à quoi ?
certainement, c'est dû au comportement de notre père. Je sais une chose de lui, c'est quelqu'un qui ne distingue pas les personnes. Il prend tout le monde au même pied d'égalité. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour son pays. Il s'est privé lui-même de tout, au profit de sa population, au profit de son pays. Il a promis, il a prôné ici la justice et l'égalité entre tous les citoyens. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, de son vivant, vraiment a lutté vraiment pour qu'il y ait la quiétude sociale, la paix et l'unité nationale, la concorde entre, entre toutes les populations de ce pays-là. Je ne parlerai pas seulement de la Basse-Guinée, mais de toute la population guinéenne, de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Basse-Guinée. Donc si vous me demandez aujourd'hui le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de réconfort. Je le remercie, je remercie le bon Dieu et je remercie toute la population. Nous avons une méthode de violence. 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 Nous avons une méthode de violence.